Le jeudi 9 mai 2013, Patrick Weiten, président du Conseil Général, a inauguré l'écloserie du domaine départemental de l'Indre. C'est Thibaut Glaser, responsable du domaine, qui nous présente l'écloserie. L'écloserie, la façon la plus simple de la décrire, c'est une nurserie à poissons. C'est l'endroit où, en fait, où on prend des poissons mâles et femelles, des géniteurs, que l'on fait se reproduire de façon accompagnée, ça reste naturel. Et les œufs qui vont éclore dans l'écloserie sont ensuite récupérés sous forme de larves de poissons, ce qu'on appelle des alevins, qu'on remet dans les étangs pour qu'ils grossissent. Alors hier, vous aviez une écloserie déjà à l'origine, mais elle a grandi. Qu'est-ce qui a changé par rapport à ce que vous aviez au départ ? Alors, grâce à mes prédécesseurs et à deux générations d'expérimentateurs, puisque la maîtrise de la reproduction du brochet a été faite en 1967, nous avons pu complètement réaménager l'ancienne écloserie pour pouvoir produire en quantité assez importante des alevins de toutes les espèces de poissons d'étang, mais également maintenant, on continue à expérimenter avec des techniques nouvelles la reproduction contrôlée des poissons. Alors combien vous allez multiplier de poissons? Vous avez déjà une petite idée? Alors on en a même une grande idée puisque les phase tests de l'année dernière nous ont amené à produire 3,5 millions de larves de poissons. Cette année, donc au début du mois de mai, nous avons déjà dépassé les 5 millions de larves de poissons produits. Et il reste encore les poissons les plus productifs, c'est-à-dire les carpes et les tanches qui vont être reproduites d'ici 15 jours au domaine de l'Indre. Il y a d'autres espèces encore que vous reproduisiez? Alors, on ne maîtrise pas toutes les reproductions, notamment celles de poissons qui ont une faible valeur marchande, mais une grande valeur environnementale. Je pense par exemple à la bouvière ou à l'able de Haeckel, des poissons qui ont un intérêt puisqu'ils sont classés d'intérêt patrimonial au niveau européen et qui sont utilisés dans la chaîne alimentaire, par exemple par les poissons carnassiers, mais dont la biologie de la reproduction n'est pas encore maîtrisée. Alors, ces alevins, vous en faites quoi après? C'est vendu à des professionnels? C'est pour réensemencer les étangs? Les deux options sont les bonnes, effectivement. On les utilise pour réensemencer les 12 étangs gérés et en propriété du département de la Moselle. Ils sont également vendus aux pisciculteurs, essentiellement de Lorraine, mais ils sont également expédiés partout en France sous 24 heures au moment où les alevins sont prêts à être alevinés. Alors il faut combien de temps pour avoir un grand poisson à partir de ça ? La règle de base à retenir, c'est entre le poisson qui vient de naître et le poisson qu'on a dans l'assiette, 3 ans. Ce qu'on appelle un poisson marchand, pratiquement quelle que soit l'espèce.
Alors également au sein du domaine de l'Indre, vous avez une exposition. Vous pouvez m'en parler, me la présenter un petit peu, cette exposition qui est dans le lieu de l'Indre, dans les locaux. Une nouvelle exposition temporaire qui va durer au moins cette année, qu'on appelle Mosel, tout simplement parce que c'est une exposition qui est dédiée aux oiseaux. Le site de l'Indre est très connu pour l'avifaune. Nous avons plus de 250 espèces d'oiseaux qui peuvent y être observées, dont un tiers qui nichent. Mais c'est vrai qu'on les voit parfois de loin, qu'on ne connaît pas très bien leur mode de fonctionnement. Et cette exposition va permettre, jusqu'à la fin du mois d'octobre, de découvrir les oiseaux du domaine de l'Indre, leur biologie, leur reproduction et quelques petits clins d'œil par rapport au record qu'ils sont capables de battre dans le monde animal. Nous aurons également, à partir du 1er juin, l'exposition des oiseaux qui étaient présentés au Jardin des Plantes du Muséum de Paris jusqu'à la fin de l'été, qui sera en accès complètement libre, gratuit, 24 heures sur 24, sur la grande digue de l'étang de l'Indre à l'Indre Basse. Alors l'aspect pratique, les aires d'ouverture de l'étang et du lieu, du domaine. Alors, le lieu est ouvert 365 jours par an, jour et nuit, 24 heures sur 24. Pour accéder aux expositions, les horaires sont un peu moins vastes. C'est ouvert de 10h30 à midi et de 13h30 à 17h30. Pour en savoir plus sur le domaine de l'Indre, il y a un site internet ? Il y en a même plusieurs. On aime diversifier les sources d'informations. Il y a évidemment ceux de nos partenaires, les médias, mais il y a également le site Moselle Passion du Conseil Général pour tous les sites culture et nature du département et bien sûr le site www.domainedelindre en un seul mot.com. Non, ils ont l'habitude d'être poussés par en dessous pour pas coller, donc. Les ciseaux, alors beaucoup moins impressionnants. Et tout ça. J'ai pas pu faire un interview. Pas faire dans la vie, hein. C'est vrai. Déjà comme ça, je suis à la grande pêche avec plaisir d'ailleurs. Il veut en faire de trop là. Hein? Il est ah oui, oui, peut-être, ouais. Est-ce que je fais pas pour vous, hein? Ben je vois ça. Vous allez être conscient. J'en suis tout à fait conscient. Bon, ça c'est pour. Donc il faut que je le fasse un peu moins haut. Un peu plus élégamment. C'est mieux? Voilà. Non, non. D'accord. Allez, je les reconnais. Et vous...
vous le faites tous les jours ? Oh, mais non, pas tous les jours, c'est par saison. Quand on a affaire, oui, c'est tous les là, jours. Mais c'est tous les jours. Alors, en ce moment, c'est quasi tous les jours. Tous les jours. Et quand vous le faites, toutes quelles quantités vous mettez, vous savez ? 500 000. Mais il y aura de la pêche au mois de novembre. Oui. À récupérer. Enfin, on n'a pas qu'il y a, mais vous êtes en... C'est vous qui alvinez aussi ? C'est vrai ? Oui, le restaurateur, c'est le top. C'est surtout pour la gastronomie, c'est surtout. Si on avait plus, on pourrait vendre. C'est vrai ? Le problème, c'est qu'on n'a pas de transformation. Ah, oh, mais même les restaurateurs... Oui ? Ils préfèrent avoir un bon produit et puis... payer peut-être un peu plus cher, avoir moins, pour ne pas transformer, mais avoir... Président, les journées de la Moselle, pour vous, c'est un véritable travail. Oui, enfin, c'est d'abord un plaisir. Le plaisir de pouvoir visiter les différents sites, d'avoir inauguré ce matin l'exposition de Robert Schumann, exposition qui rappelle son histoire et celle d'Adenauer, le grand-père de l'Europe. Rappelez que le traité de l'Elysée a eu comme socle d'abord la déclaration de Robert Schumann le 9 mai 1950. Donc, 63 ans après, on s'est retrouvé dans sa maison pour rappeler son histoire. Ensuite, avoir été au Jardin de la Connexie, qui est un des grands espaces naturels du Conseil Général. Et puis, rappeler que la Moselle a décidé d'ouvrir ses 7 sites culturels et naturels, les ouvrir aux Mosellanes et aux Mosellans gratuitement, en ouvrir les portes. Et je crois que c'était important, cette journée de la Moselle, parce qu'on peut constater que c'est un grand succès. Les chiffres qui nous sont donnés maintenant démontrent bien que le message a été perçu et que le rendez-vous, les Mosellanes et les Mosellans étaient au rendez-vous. Et puis on a terminé ici à l'étang du Lindre pour inaugurer l'écloserie, ce grand espace naturel dédié à la nature, dédié aux oiseaux, dédié à la faune, à la flore et en particulier à la faune aquatique. Et on est là sur une expertise. Je suis impressionné par l'expertise, par la connaissance des personnels de l'étang du Lindre. Je voudrais leur rendre hommage parce qu'ils le font avec passion, ils le font bien au-delà d'une simple activité professionnelle. Et puis on est reconnu maintenant dans le monde entier, ils ont reçu des Indonésiens, des Brésiliens, on est en relation avec les responsables des grandes universités européennes. Et puis c'est la connaissance qui évolue parce que c'est continue à développer une connaissance de grande qualité, un savoir-faire. Et là je suis en train d'alviner le grand étang du Lindre avec des alvins qui sont issus de l'écloserie, donc c'est une richesse départementale. Et là, cela mérite d'être dit, raconté aux Mosellans pour qu'ils en soient fiers. On est là dans une démarche où le tourisme peut être organisé à la fois sur tous les territoires et puis à la fois dans des domaines très spécifiques et très différents. Puis enfin, je pense que ce qui est important, c'est également de la pédagogie. Il faut qu'on transmette ce savoir à nos jeunes et c'est pour cette raison-là qu'on a renforcé les équipes pour accueillir encore plus d'écoles.
et ça nous permet également de renforcer l'attractivité et le rayonnement de la Moselle. C'est ce que je souhaite, hein, et au travers de cette démarche que je fais avec grand plaisir, je le dis, c'est également la démonstration que la Moselle est belle, la Moselle est riche de ses espaces, est riche de ses femmes et de ses hommes, de leurs connaissances. Et avoir ce moment d'échange et de rassemblement qui sera fixé chaque année maintenant au jeudi de l'Ascension. Alors cette année, il tombe sur la journée de l'Europe. C'est peut-être un symbole que la Moselle est au cœur de l'Europe. Et puis avoir fait coïncider ce jeudi de l'Ascension avec la journée de l'Europe et de la Moselle, c'est un symbole. Et je suis convaincu que nous serons échangés et rassemblés les Mosellans autour de leur site, autour de leur département. Et je voudrais encore remercier celles et ceux qui m'ont accueilli ici à l'Étoile du Lab, et puis surtout mettre à l'honneur les professionnels. Pour nous, c'est une grande fierté. Ils sont la fierté de la Moselle, ils sont la fierté du savoir-faire. Et il est important qu'on en fasse la promotion et que nous soyons fiers d'eux. Merci, Président. Thank you.